Hey, coucou tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode de Charmante Campagne où on retrouve notre petite maison encore en presque piteux état, ça va quand même mieux, et notre jardin qui, bon, s'est amélioré mais reste encore un peu quand même dans l'oubli. Mais aujourd'hui, on est vendredi, mais surtout il va y avoir quoi ? La foire, et à la foire on va pouvoir revendre tout ce que l'on peut à 25% de plus. Donc je pense que les pépettes vont être monstrueuses quand on ira à la foire. Et ça, je vous dis que je n'oublierai pas d'y aller. Et ça commence avec un petit œuf qui est prêt à éclore. C'était notre œuf médiocre, je crois. Donc on va bien voir ça. De toute façon, il est 6h25. Notre coq appelé vache se met à crier pour le réveil de tout le monde. Alors qu'on a notre... Comment ? On a notre coq et notre poule qui sont en train de fusionner. Est-ce qu'ils vont nous faire des bébés ? C'est le réveil pour tout le monde. Ouais. Alors, notre petite Diane est bien ballonnée ce matin. Je sais pas ce qu'elle a mangé. Et non, évidemment, elle est enceinte. Hein. Notre amie Cécile, tout simplement, a fait son office. Et madame est enceinte de leur premier enfant. Et oui. C'est la famille s'agrandit. Et la semaine dernière, on a également adopté un petit chaton. Un tout petit machin, là, qui s'appelle Gaston. Voilà. Oh bah oui, du fromage au petit-déj. Bon, moi, j'adore le fromage, mais quand même, au petit-déj, c'est un peu fort, quand même. Hein. Mmh. Ouais. Bon, la bonne nouvelle, c'est que... C'est bientôt le printemps. C'est-à-dire que là, on aura passé l'hiver, effectivement, encore dans des conditions un petit peu catastrophiques. Mais ça va vite devenir mieux, hein. Le soleil va réapparaître, les douces températures également. C'est parfait pour la naissance du petit bébé qui va arriver. Et puis, ben, surtout, j'attends qu'une chose, moi, c'est de la thune pour pouvoir enfin refaire une cuisine et une salle de bain d'Indos, non ? Ouais, va falloir, ouais. Alors, c'est l'heure de nourrir un peu les bêtes. Et où est notre petit poussin sain ? Est-ce que c'est ça ? Oh, c'est un poussin mâle ! Encore ? On en a déjà combien, nous, des poussins mâles ? Bon, on va les changer. Je pense qu'on va les changer, malheureusement. Action, échanger contre Simflouz. 150 Simflouz, c'est pas de refus. Mais d'où tu t'es téléporté là, toi ? Ça devient n'importe quoi, ce jeu. C'est comme on commence à avoir une belle basse-cour, hein. Je sais pas combien il y en a, mais bon, il suffit de faire ça. On a 4 poules, 2 coqs et un poussin. Bah, ça fait pas mal, hein. On est à 7 sur 8, quand même. Tu vas ramasser les œufs et nettoyer le poulailler. Et puis, ouais, on avait dit qu'on s'achèterait un lama. Hein. Va falloir tout ça. Hein. Ah, le petit vomito. Ah, c'est beau. Maintenant, m'a dit Anne, quand même, tu viens le nettoyer maintenant. Faut pas déconner. Qu'est-ce que... Mais c'est son papa! Oh merde, il est venu tout vieux! Oh bah... En même temps, ils sont venus pour Noël, elle leur a annoncé que, ben, ils allaient être grands-parents, donc du coup, papa, il est devenu tout vieux, quoi. Comme un vieux papy, hein. Bon, au moins, il passe à la maison, ça fait plaisir, quoi. Mais j'ai oublié de mettre une litière pour Gaston! J'ai bien pensé à sa bouffe, mais pas à son caca. Bon, bah go, alors. Bon. Pendant ce temps-là, notre amie Cécile essaie de sympathiser avec la vache, mais ça n'a pas l'air de trop marcher. Je sais pas ce qu'elle lui a raconté, mais elle a pas trop aimé. Vu que son père est vieux et que bah la force des choses fait qu'un jour il partira, on fait une petite photo souvenir quand même avec papa. Voilà. Et les poules, elles vont voir les oiseaux. Tiens, les poules, elles vont voir les oiseaux. Est-ce qu'elles se rendent compte que c'est leur cousin ou pas ? Ah, ils ont un cadeau. Ils ont un cadeau. Ouais, mais pas un cadeau pour Cécile. Un cadeau peut-être pour Diane. Même pas. Bah alors, arrêtez, ouais. Ah ! Gaston, il a peur de quoi ? Non, mais les animaux qui ont peur de... De quoi ? De la gazinière ? Du frigo ? Petit cœur. Non, mais par contre, si vous allez tous dans la cuisine qui est minuscule, je sais pas comment vous faites, là. C'est pas possible. Bougez de vos culs d'ici. Oh là là, insupportable. Ah ! Le chat, il a peur du lapin ! Oh, petit cœur ! Comment il tremble ! Il a peur du lapin. Bon, il a peur de tout. Non, il a pas peur de les citrouilles, par contre. Il va y pisser dessus, peut-être.
Pendant qu'elle peut encore, Diane, je lui fais bosser de faire pas mal de concerts. Faut qu'on puisse les revendre à la foire, hein. Objectif pognon, là. C'est vraiment beaucoup de pognon pour faire des belles améliorations dans le jardin, dans la maison, tout ça, pour qu'on puisse avancer. Parce qu'un oubou est en train d'arriver. Donc, va falloir lui prévoir une chambre, un berceau, tout ça, quoi. Mais quand je vois comment toutes mes poules et mes poussins, ils se barrent à l'autre bout du terrain, je me dis j'ai quand même de la chance que j'ai aucun renard qui est venu en bouffer, quoi. Et Cécile nous fait une magnifique toile encore... ouais. Mais celle-là, je vais pas la garder, mais je la trouve pas superbe. Donc, oui, t'aimes la peinture, oui, Jean-Claude, mais... Vas-y, vends-la un collectionneur. Bon, ça nous fera un peu de thunes. Normalement, on est censé vivre de nos prods. Bon, ça reste une prod, hein. Ça reste une prod. Tu vas nous faire une toile classique à 50. Puis il faudra pas que tu oublies d'aller aspirer aussi, Jacqueline. Alors, on a un petit lapin qui est un cadeau pour Diane. Mais en fait, on a tellement de lapins. Moi, je sais même plus. Voilà, enfin, il y en a un, mais les autres, ils donnent pas. Ouais, je sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'elle le connaît plus, celui-là. Ouais, j'avoue. Mais là, il vient de dire cadeau aussi, lui. Ça veut dire quoi? Bah non, t'as pas de cadeau, Jean-Claude. Bon, pareil, cette œuvre d'art-là, on va la jarter, on va pas la garder. Hein. Faut pas les conner non plus. Oui, 23h, Diane n'en peut plus. Ah non, arrête d'aller te laver les mains, sérieusement. Non. Va, oui, non, mais là, c'est sûr que ça sent bon, hein, il y a plus de mur. Donc c'est le bonheur de la campagne que tu respires. Va te coucher, t'es crevé. D'ailleurs, quand est-ce qu'elle accouche, là? Eh ben, bientôt. Ah oui, oh là là. Oh, je suis pas du tout prête, j'ai pas du tout réfléchi au prénom. Waouh, en plus, c'est le réveillon du jour de l'an. On va avoir un bébé né du 1er janvier ou peut-être du 31 décembre. Enfin... Ouais, enfin dans les Sims, vu que juste après le 1er janvier, enfin le nouvel an chez eux c'est déjà le printemps, je situe leur nouvel an autour du 20 mars. T'étais moins une encore une fois ma belle, hein? Ah bah oui, t'as faim, mais bon, tu devais pisser. Vaut mieux que tu pisses avant de te faire pipi dessus, quoi. Oh, puis en plus il pleut. C'est pas cool. Bon bah Cécile, ta femme elle est très enceinte, donc tu vas quand même... t'occuper de toi-même, bah, tout simplement des animaux. Je pense que t'es capable de le faire, t'es un grand garçon maintenant. On a récolté 7 œufs quand même. Mais aucun qui peut éclore. C'est décevant ou bien quoi quand même, non? Renard en vue, c'est pas un loup-garou, non, c'est un renard. Je suis très fière de ne pas avoir trompé, de ne pas m'être trompée. Hey, chasse-le là, truc là, saloperie. Puis après, tu vas t'occuper de la petite vache. La 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 la. Comment va notre petite vache nationale? Oh, elle kiffe, hein. J'aime trop. Ça m'a manqué, moi, cette bouille de vache qui kiffe quand on la lave. Alors, je la lave tous les jours, hein. Ah, on peut pas dire que ma vache, elle pue, hein. Ça, c'est pas possible. Allez, un petit câlin au lapin. Au sapin, j'allais dire. Il est mignon, il est tout blanc. Il est content. Oh, c'est trop chou. Tu peux lui offrir un truc? Je sais pas du tout. Ah, si, tu peux lui offrir quelque chose. Attends, tu vas lui parler de légumes. Et tu vas essayer de lui offrir un truc. Un produit. Ouais, parce que comme un petit champi épicé, tiens. Il a craché le feu, ce pauvre lapin. Mon pauvre Cécile. Mais oui, mais dis-toi que tu vas être ta petite femme. Hein, parce que là, c'est toi qui as toutes fait les tâches ménagères alors qu'elle, eh ben, elle est ronde comme une baleine. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que t'as fait à ce pauvre lapin? D'accord, tu lui offres un cadeau à distance. Oh, il a kiffé! Il a kiffé le champignon. Ah, mais c'est une bonne nouvelle! Bon, allez, va manger, va te laver, va faire ce que tu veux, parce que là, mon pauvre, t'es pas bien. Ah oui, Suzy est là! J'avais même pas vu qu'elle était arrivée. Cucu, Suzy, comment vas-tu? Ma Suzette. Ma petite sœur, devenue grande également. C'est la fin de l'année, hein. Et puis c'est surtout l'arrivée de bébé, hein. Enfin, à un moment donné, il y aura arrivée de bébé. Pour l'instant, je ne sais pas. Oh, j'avais pas vu la litière, elle est un petit peu sale. On va la nettoyer aussi, ça. Ça y est, la foire est en route. D'ailleurs, c'est quoi aujourd'hui? C'est le concours de tartes et concours de fruits et légumes géants. Bon, ben, on n'a ni l'un ni l'autre. Donc je pense qu'on va se passer de participer. De toute façon, on a déjà gagné 2 concours sur 4. Donc c'est bon pour cette partie. Hé, hey, Diane, dépêche-toi de manger. Puisqu'après, on file, on court, on vole à la foire. Et moi, pendant ce temps-là, je vais récupérer ce qu'il y a dans le frigo. Alors, nous avons quelques épinards. Ça, on va garder les petites choses quand même qui sont pour nous. 12 bouteilles de lait. Ah, je pensais qu'on en aurait plus que ça.
On a 20 œufs. Et puis quelques poires, tout ça. On a du chocolat aussi, du lait au chocolat. Oh, je pensais qu'on en avait plus. Bon, bah, c'est pas grave. On va quand même y aller. Récupérer notre dû à 25% de plus. Enfin, j'espère. Le pire, c'est que je pense que l'accouchement va vraiment venir dans très peu de temps. Et que... Il va falloir qu'on vende tout ça avant parce qu'elle va nous l'accoucher en pleine rue, quoi. Imaginez le délire. Et nous voilà au bar, les bras du gnome. Alors, avant toute chose, lui, il vient de retraire la vache. Alors, qui dit retraire la vache dit 6 bouteilles de lait en plus. Donc, nous en voilà plus. La 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 la. Et on va aller discuter avec madame. Mesdames, comment allez-vous, mesdames? Avoir une conversation à cœur ouvert. On va être sympa avec elle, parce que quand même, faut être sympa avant de pouvoir marchander. Voilà, on va discuter des techniques de danse, tout ça. On est sympa, nous. Mais non, mais... Elle se déplace, mes biches. C'est gentil, quand même. Mais bon. Nous, on veut juste avoir les 25% de plus. Bon, Cécile, tu vas pas commencer à picoler, hein. Mais si, en plus, il a pris une boisson, non, mais... Mais comment? Qu'est-ce que t'as pris? Un violente orange. Ouais, ok. Niveau participation, nous avons 2 aubergines, une petite et une moyenne. Ouais, c'est ça. Bon, bah écoute, c'est parce que nous, on n'a pas les trucs géants. On n'en a plus, hein, je pense, de toute façon. Donc ça sert à rien. Quoique, on va tenter. Et non, on peut pas. On a besoin d'un fruit, d'un légume géant dans son inventaire. Et nous n'en avons pas. C'est bien la tristesse de la journée. Voilà une tenue bien originale, mademoiselle. Ah oui? Ah oui, puis alors les cheveux et tout... c'est un mélange assez... qui fait peur quand même. Bah du coup, qu'on a délogé Janine, elle veut plus venir quoi. Ah non, elle est passée 19h30, mais c'est une blague. Et en plus, elle va accoucher. Bon bah tant pis pour les sous, on reviendra demain. En attendant, on va rentrer à la maison pour bah pondre un bébé. C'est l'heure, Cécile. C'est l'heure d'Yann, on est parti. Ça sentirait pas un peu la panique là? Ah non, il est excité lui, ça lui plaît bien sa femme qui souffre. T'inquiète, c'est bon. Mais ne tombe pas, j'ai installé le petit truc ici. Tu vas avoir un petit bébé ici dans l'espèce de salle à manger. C'est tellement petit que j'ai de la place nulle part. Donc ce sera ici hein. Voilà, tu peux venir toi aussi. C'est le grand moment, ça y est. Oh! Ah si, ça y est. Diane va nous livrer son petit bébou, le premier de ce joli couple. Garçon-fille. Oh, j'en ai aucune idée pour les prénoms. Enfin si, peut-être un. Ou peut-être deux. Enfin peut-être un pour chaque parce qu'il est un peu mixte. Oh là là. Mon Dieu, c'est parti. Diane et Cécile, leur premier enfant, c'est un mec! Je m'en doutais. Eh ben, c'est super, parce que je veux l'appeler Angel. Bah ouais, comme dans Buffy, une petite vibe Buffy. Je sais pas, je me suis dit entre Diane et Cécile, c'est des prénoms un petit peu sympas, un petit peu originaux. Pourquoi pas Angel? Voilà, alors. Par contre, jumeaux ou pas? Bah si c'est jumeaux, on s'arrête là, il faut avoir 2 enfants. Mais... Surprise, motherfucker! Oh my god, c'est des jumeaux! Oh my god, c'est des jumeaux! Non! No, god, please, no! No! Et c'est une fille! Oh, mais quel pied! On a les 2, mais what? Ah bah du coup, je vais devoir chercher, parce que Angèle en fille, c'est... Voilà, c'est pas trop ça, quoi. Bon, va falloir que je trouve un prénom, maintenant. Pour rester un peu dans la thématique, un petit peu genre... Ange, Angel, tout ça. Et ben, pourquoi pas Eden, pour une petite fille. Je vous jure que c'est... Je m'attendais pas aux jumeaux, mais je sais que quand on appuie sur les petits trucs là, si on entend les cris, c'est qu'il y en a qu'un. Si on n'entend pas, c'est qu'il y en a 2. Bon, là, il n'y en aura pas 3, c'est impossible. Allez! Des jumeaux pour une première grossesse, c'est génial, on peut s'arrêter. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse quand même une deuxième grossesse, parce que j'ai demandé 2 enfants, nous les avons, en tout cas dans ma partie. Donc est-ce que vous voulez quand même
une deuxième grossesse pour voir. Je pense pas que ce sera deux fois des jumeaux, faut pas déconner non plus. Allez! Eh ben, dis donc! Oh! Des bébés tout noirs! Bah, ça, c'est la peau de papa, hein. Et ouais, ils sortent du four, ils sont tout noirs, ils sont cramés même, je dirais. C'est marrant parce que Eden n'est pas du tout noir par contre. Ouais, en tout cas, bon, ils l'ont fait popper ici. Ça va être compliqué, hein. On va devoir la bouger de là aussi, hein. Bah alors, Cécile, t'as visé dans le mille, hein? Directement des jumeaux? Eh ben, tu perds pas de temps, mon saligo. Oh là là, il va faire le gaga. Il est gaga de son petit garçon. Bravo! Ah! Qu'est-ce qui se passe? T'as dit une connerie. Parce que ton fils, du haut de ses 5 secondes de vie, il arrive à te juger. Normal. Et Diane, elle s'est dit, oh bah tiens, moi je vais aller dans le jardin caresser un lapin. Ouais. Je pense que ton mari a envie que tu le caresses aussi. Je dis ça comme ça. À moins qu'il ait un cadeau, même pas. Psi! Bon. Bah Cécile, lui, il se dit, oh bah ma chérie, elle est encore en train de se doucher et tout. Là, bah il faut bien virer tout ce qui traîne, hein, maintenant qu'elle a accouché. J'ai enlevé des œufs qui étaient gâtés. Donc ils sont là, ils sont pourris. Ah, et les enfants commencent à pleurer. Quel bonheur. En plus, il y en a deux. Je sais qu'il y en a qui ricanent bien derrière leur écran, là. Allez, ma pauvre Diane. C'est pas grave, tu vas aller te coucher. Demain sera une autre journée et demain surtout sera une autre épisode puisqu'on se retrouve la semaine prochaine pour la suite. Moi, en ce temps-là, je vais essayer de me torturer les méninges pour savoir comment je vais aménager cette maison, surtout pour des jumeaux. Et vous, bah, je vous fais des gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.